reçoit Monaco ce soir. Et remporter cette coupe, c'est clairement l'objectif des Monégasques. Reportage de Yann Pécheral avec Jérémy Pelletier. Franchir l'obstacle Guingamp pour disputer la finale de la Coupe de France. Voilà le grand objectif de la fin de saison de Monaco, relégué à 10 points du PSG en Ligue 1. On regrette un peu d'être aussi loin du PSG en Ligue 1, mais la Coupe de France a beaucoup d'importance pour nous. On joue une demi-finale et on doit montrer notre force pour pouvoir jouer le titre à Paris. C'est l'objectif qu'on s'est fixé pour un joueur et voilà pour le club. Il y a pas mal de jeunes joueurs, donc c'est toujours bien de commencer par un trophée. En demi-finale, le club de la Principauté part largement favori contre Guingamp, une équipe qui reste sur 3 défaites consécutives. Pourtant, Claudio Ranieri se méfie. Guingamp peut être un peu énervé parce que c'est un moment très difficile. Mais avec la coupe, ça va libérer de toute la chose. Nous jouons contre Monaco. Si on perd, n'est pas problème. Mais si on gagne, il y a une bonne vitamine pour les championnats. Donc, sera un match très, très, très difficile. 2 ans après l'arrivée des investisseurs russes, Monaco a en tout cas une belle carte à jouer pour enrichir son palmarès d'une nouvelle Coupe de France. La première depuis 1991.